Salut les champions! Il y a presque 3 ans, Nekfeu sortait son classique, son chef-d'œuvre, Cyborg. C'est pour moi un des albums les plus marquants de ces 10 dernières années, et très peu de rappeurs français étaient à l'époque capables d'atteindre un tel niveau de maîtrise et de poésie. Mais ça, c'était une autre époque, parce que depuis, le Fennec a disparu et le game s'est accéléré. Les rappeurs sont devenus bien plus techniques qu'avant, ça crache des freestyles légendaires et des couplets assassins à tour de bras, et chaque soirée possède désormais son freestyler officiel. Et puis, madame, c'est la team des gamins qui débarquent dans ta maison. Et en plus de ça, le succès de Nekfeu a créé un tout nouveau public qui a permis l'émergence d'artistes rap moins gangsta, plus faciles d'accès et avec des textes souvent assez intimes et profonds. Du coup, contrairement à PNL qui a laissé un énorme vide en son absence, les amateurs de Nekfeu dont je fais partie ne manquent pas vraiment aujourd'hui de rappeurs techniques aux textes poétiques. J'ai vraiment plein d'albums à écouter et finalement je m'en bats les couilles si jamais il y a un album qui sort ou... Ok, je retire tout ce que je viens de dire et on part immédiatement sur l'analyse des thèmes du nouvel album de Nekfeu, Les Étoiles Vagabondes, et ça se passe dans le 29e épisode du Règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Ces gens-là étaient extrêmement violents, étaient extrêmement contestataires. Vous, vos textes sont beaucoup plus tendres. C'est un esprit beaucoup plus bon enfant. Est-ce que j'ai tort? Vous avez tort. Alors, contrairement aux conneries qu'ont pu dire les chroniqueurs télé, Nekfeu dissémine depuis longtemps dans ses textes des idées politiques et des revendications. Dans la mer à Sarko, dans la mer à Netanyahou. Mais pour Les Étoiles Vagabondes, il a décidé d'aller beaucoup plus loin. Il s'est pour ça inspiré d'un de ses auteurs préférés, l'écrivain américain Jack London, et de son roman fantastique, Le Vagabond des Étoiles. Pour resituer, Jack London, c'est l'auteur de Martin Eden, qui a donné le nom du premier son du premier album de Nekfeu. Et Le Vagabond des Étoiles, c'est l'histoire d'un condamné à mort américain qui passe 5 années dans un cachot infâme et qui subit la torture de la camisole de force. C'est un livre engagé qui a eu un impact très important aux États-Unis puisqu'il a entraîné l'interdiction des camisoles dans les prisons et même carrément une réforme du système carcéral californien. Et le Fennec qui est maintenant connu et écouté sent qu'il peut lui aussi avoir un impact direct et important sur les causes qui lui sont chères, comme il le dit dans Takotsubo. Faut que je sois là pour mes cas sociaux, tout ça me tracasse aussi. Je suis plus ce mec insouciant, j'ai pas connu qu'un suicide. Il n'a donc plus d'autre choix que de revêtir le costume de Ken, le justicier. Mais qui est-ce donc qui peut défendre les minorités quand on a besoin de lui? Surgit dans l'obscurité, c'est Ken le justicier. Et son thème de prédilection, celui auquel il est le plus sensible, ce sont les discriminations. Et tout d'abord, celle d'ordre raciste qu'il sent monter en France. Sans pas de moins, sans moins de résistance, c'est les résistances. Voilà ma Ivia, j'étais naïf, y'a trop de racistes dans ce siècle. Ils veulent exclure les minorités contrôlées par. Alors qu'il n'y a pas plus français que de protester contre l'État. Les mille rêves et ceux qui polémiquent sur les minarets, ils élimineraient les minorités pour du minerai. Ils te diront qu'on peut pas accueillir toute la misère du monde, qu'on leur rende ce qu'on leur a voler, voilà mes arguments. Ken dénonce notamment le comportement raciste de la police et des politiques envers les noirs et les arabes. Un petit arabe qui fait des bêtises, c'est un voyou pour la France. Un petit noir, c'est pareil, mais quand c'est un petit blanc, c'est juste un chenapan. Ça va trop vite comme la mort en girafe pour un jeune noir. Dans mon équipe, j'étais le seul qu'on essayait de quêtre à, et j'étais le seul que la police contrôlait pas. Cette dernière phase est particulièrement bien vue puisqu'il montre que personne n'est épargné par les discriminations, ni ses potes qui subissent des contrôles basés sur leur couleur de peau, ni lui, le petit blanc qui était à l'époque une cible privilégiée des racketteurs. Il estime que chacun doit être considéré comme un individu à part entière plutôt que d'être réduit à ses origines. Je crois que c'est la vérité et que ça ne devrait choquer personne. Et il le montre pour lui-même avec ses deux phases. Je déteste le rap de blanc, j'aime le rap où tu mets rien après. Bien quoi l'ami, je suis blanc comme la nuit. Une nuit noire peut aussi être une nuit blanche si tu dors pas, et du coup on ne peut pas réduire toute la nuit à sa couleur de base. Donc les racistes sont en sueur. C'est quelle justice ? Et les discriminations ne s'arrêtent pas au racisme. Nekfeu dénonce également celles que subissent les homosexuels. Si t'es homophobe, c'est que tu juges forcément LGBT. Une phase qui fait écho à celle qu'il avait placée il y a 8 ans de ça dans Monsieur Sable. Les keufs matraqués, les prolos ressentent l'invincibilité. C'est pas attaquer les homos qui te rendra ta virilité. Je trouve ça assez courageux de sa part, sachant qu'il va forcément récolter de la hate sur Twitter et que certains fils de pute vont se servir de ça pour tenter de le décrédibiliser en tant que rappeur. Il y a un truc qui prend pas parce que c'est d'ultra-violence sur de la gentillesse de bisounours. C'est quelle justice. Oh mais que vois-je à l'horizon, encore une discrimination, et cette fois-ci contre les femmes. Chez tous les gens intelligents, ça rit jaune de voir les dirigeants s'ériger en défenseurs de la morale, alors que dirigeante pour nos sœurs c'est un mot rare. Ken, qui a lui-même une sœur, profite de l'album pour dénoncer le sexisme dans le milieu professionnel. Je suis conscient que la vie de nos sœurs est pleine de désillusions, c'est comme être compétente au taf et subir que des allusions. Mon reflet dans ce miroir rempli par l'orage me rappelle qu'on sera tout seul quand on mourra. Même ses patrons qui te licencient quand t'as des enfants pour leur avarice, ou te disent qu'il faut céder à leurs avances pour
pour en avoir une. Son reflet est plein d'orage pour illustrer sa colère face à cette injustice, une image qu'il utilisait déjà dans le son Tempête sur son premier album. Et le problème selon Nekfeu, c'est que même si ces discriminations sont condamnables, la justice intervient toujours trop tard, ce qu'il rappelle dans le feat avec Damso. La première fois qu'il te lise tes droits, c'est quand il t'arrête. La défaillance de la justice, c'est un thème qui revient tout au long de l'album, avec une référence au procès controversé d'O.J. Simpson aux États-Unis et surtout à son propre procès qu'il oppose à son ancien label YW. Ce label lui réclame plusieurs millions d'euros pour avoir fait interdire la sortie du Black Album composé de sons enregistrés avant 2012. Je vis dans un monde qui sert du droit pour t'humilier. Là je suis en procès et on me demande 3 milli. Tu veux quoi, que je le multiplie par 3 et que je me le colle sur la tempe? 3 x 3 milli, ça fait un 9 mm et ça fait surtout une punchline bien capillotractée. J'espère que les freestylers de soirée vont pas aussi se mettre à faire des mathématiques. Je dégaine mon 4x4, tous les numéros, le seul, l'unique, comme exponentiel de 0. La Youfo, c'est qu'elle est justicier. Et ça s'arrête pas là, puisque Nekfeu est aussi le maître de l'empathie, c'est-à-dire qu'il arrive à se mettre à la place de ceux qui sont dans les situations les plus difficiles. Que ce soit les victimes de crimes comme Darius, l'adolescent laissé pour mort dans le 9-3 en 2015. Celle-là c'est pour les petits roms comme Darius. Ou alors les migrants, avec l'exemple de la Méditerranée dans le film et de l'Afghanistan dans l'album. J'ai pu traverser les frontières mais pas comme un jeune afghan. Ou encore les prisonniers. Écrire c'est la première action d'un homme privé de liberté. J'ai pour preuve les noms des prisonniers gravés sur les murs des geôles. Ou encore les drogués. Qu'est-ce que tu connais d'un comique qui shoot? La survie vaut le prix d'un comique qui souffre. Ou encore les alcooliques, les PD, les femmes, les parasites, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous. Bref, Nekfeu incite en fait celui qui l'écoute à chercher à comprendre et ressentir les difficultés des autres plutôt qu'à les juger. Mais le poids de tous ces malheurs est écrasant. Il reste finalement assez impuissant face à tout ça et ça commence à l'atteindre personnellement. Quand ça va pas, je bouffe comme un fou. Et ces derniers temps, j'ai pris beaucoup de poids. Y'a trois déprimés quand t'es pacifiste. Alors l'actualité, ça fait un bail que je l'ai pas suivi. Et dans l'album, je trouve qu'il arrive particulièrement bien à transmettre la tristesse que toutes ces situations lui inspirent. Et malheureusement, ce n'est pas la seule raison de bader. Je me suis assez rapidement rendu compte que la première moitié de l'album est très négative. Et il y a trois raisons principales à cela. La première, c'est qu'il se sent plus seul que jamais, comme il le déclare à la fin du premier son. Tous les objets composant l'univers, les galaxies, les amas de poussière, les astres, s'éloignent les uns des autres inexorablement. Comme nous. La célébrité, ça ne lui amène que des relations toxiques entre les labels qui veulent gratter son buzz. Ken, c'est Galvin, et Galvin Lasagne de chez Musique. Premièrement, pour te féliciter pour cette belle réussite que tu as fait avec cette classe. Et les rappeurs qui jouent des rôles et n'ont aucune conviction. Nous, c'est les textes, un loup solitaire. Je connais les rappeurs, dis-moi où sont les gangsters. Dites aux rappeurs d'arrêter d'écarter les cuisses, éduquer à coups de câble électrique. Nekfeu, lui, ne souhaite pas rentrer dans le jeu de la jet set et le déclare avec cette excellente punch. J'ai pas pris la grosse tête depuis l'époque de GoldenEye. Une référence au cheat code permettant de jouer avec des grosses têtes dans le FPS GoldenEye sur Nintendo 64. La deuxième raison du bad, c'est que Ken repense beaucoup à son ex. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Et cet ex, il en parlait déjà il y a plus de 2 ans dans Cyborg. Dans l'interlude de Saturne d'abord, qui est repris dans Elle pleut pour montrer qu'il tourne toujours en rond là-dessus. D'où sors-tu, ta douceur-tu? Mais, d'où sors-tu, ta douceur-tu? Et d'où sors-tu, ta douceur-tu? D'où sors-tu, ta douceur-tu? Et surtout avec le bruitage utilisé dans Cyborg dans les deux sons où cet ex est évoqué. Y'a de la meuf dans cette soirée, mais moi j'ai vu que toi. Ton corps dans ma rétine. Et ce devient récurrent dans Les Étoiles Vagabondes pour montrer à quel point ça devient obsédant pour lui. Combien de galaxies, combien de lunes, combien de brins de femmes, je n'en vois qu'une. Elle a brisé son cœur sur moi. Brisé son cœur sur moi. Collision de pensées qui secoue ma tête, j'en attrape une au sol et je repense à toi. Et si les t'en as de pensées qui tournent dans ma tête, j'en attrape une au vol et je repense à toi. Et si les t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi. La troisième raison de bader, c'est qu'au moment où il commence l'album, il se sent enfermé à Paris. Que du béton dans le panorama, Panamora toujours plein de rats. Il se sent piégé comme un rat avec ses problèmes. Un thème qu'on retrouve aussi dans le son Gris de Vald ou dans l'album Fenêtre sur rue d'Hugo TSR. Et si on cumule tous ces problèmes, Nekfeu risque le Takotsubo, le syndrome des cœurs brisés provoqué par un excès de stress et de doute. Il n'a donc pas d'autre choix que de partir. Alors, si Nekfeu a décidé de sortir un film en même temps que l'album, c'est avant tout pour nous montrer à quel point les voyages qu'il a entrepris ces 2 dernières années ont été décisifs. Sans eux, il serait resté bloqué dans un état de bad intense, incapable
de produire un seul son. J'étais déprimé, lessivé, pas respecté. Et ces voyages ont du coup eu un impact très important sur l'album. Jusqu'à présent, les sons de Nekfeu étaient surtout remplis de références à Paname, et le fait de représenter son quartier faisait partie intégrante de son identité de rappeur. Dans les dédales de Paname, je n'ai pas d'égal, je me balade pas loin des halles où les dalles parlent mal de la femme. Alors j'ai la foi, je ne m'égare pas, moi c'est Marshall Mathers. En version parisienne, je passe le message à ma sœur. Bienvenue dans Paris Sud, je pense en grand. Sais-tu ce que ça coûte de vivre quand les gens s'endorment? 7h du mat, la lumière commence à m'agresser. Je tourne dans Paris Sud comme la mafia tressée. On a très peu qui représentent bien le Paris méridional. 15e, 13e, 14e. Mais tout ça, c'est fini, comme il le dit dans Takotsubo. J'ai trop bougé pour m'approprier un check. J'ai joué un rôle devant les hyènes avec ma propre idée en tête. Désormais, il est nomade et ne voit Paris que par le hublot de son avion. Comme Hotsen, Ken pour le prénom, feu pour le nom de scène. Je suis toujours à l'étranger, je connais plus le French. Et les mannequins, c'est loin d'être les plus fraîches. Du coup, on le voit dans le film En Belgique avec Damso. Il évoque l'Allemagne dans l'album. Mais ce sont avant tout trois pays qui vont lui redonner espoir: le Japon, les États-Unis et la Grèce. Watashi no name ane Neketsu. L'album Cyborg se terminait par une invitation à partir à Tokyo. Et logiquement, les étoiles vagabondes s'ouvrent sur du japonais puisqu'il décide de ramener son bad dans la capitale nippone. Mais heureusement, en passant plusieurs mois là-bas, Nekfeu se met à ressentir une nouvelle vibe. 11h du matin dans Tokyo, je me perds seul. C'est une autre énergie que je perçois. Est-ce pour ça que j'aime trop cette ville, ou bien parce qu'ici je ne suis personne? Et cette vibe, elle impacte directement sa musique. Nek place encore plus de références au manga, aux jeux vidéo japonais et aux films de Miyazaki que d'habitude. Et il se permet même une punchline encore plus locale dans Menteur Menteur. Un double démon comme les Olsen, fumée sort de moi comme Onsen. Les Onsen étant les bains chauds qu'on ne retrouve qu'au Japon. Et cette influence atteint son apogée dans Pixel, un son très nippon. Dans l'esprit, Nekfeu installe une ambiance poétique avec une ode à la nature et on retrouve la chanteuse japonaise Crystal Kay déjà présente sur Neketsu. Et à travers cette chanson, on sent qu'il prend du recul sur son ancienne vie et qu'il commence à retrouver espoir. Y'a quelque chose dans la manière dont le vent souffle, y'a quelques pixels en plus dans le ciel, comme si ma vie d'avant j'étais absent. Je le sens, je le sens. Comme beaucoup de rappeurs français, Nekfeu s'inspire énormément de ce qui se fait aux US. Dans le film, on le voit enregistré à Los Angeles et on ressent une influence assez directe de Kanye West sur ce projet avec le concept de la cover réaliste qui rappelle celle de Yeezus et l'intro et les voix saturées de Koala Mouillé qui sont similaires à celles de Black Skinhead. Mais c'est en Nouvelle-Orléans qu'il apprend une vraie leçon de vie. En fréquentant les ambiances jazzy de la ville, il découvre une nouvelle manière de se comporter face aux pires situations. Les habitants sont en effet sous la menace d'un ouragan, mais n'en perdent pas pour autant leur joie de vivre. Les nouvelles viennent d'annoncer l'ouragan, l'air est lourd, le ciel est noir, interdit de traîner. Le couvre-feu est prévu pour 19h, mais les gens d'ici n'ont pas trop l'air inquiets. Ils font la fête et me proposent de trinquer. Y'a de la bonne humeur à profusion. Les musiciens s'amusent en improvisant. Tous les voisins se fournissent en provision. Ken apprend alors à voir le bon côté des choses et surtout à communiquer de la joie en toutes circonstances. Et cette philosophie, il se met à l'exprimer lors de son dernier voyage. Le film des étoiles vagabondes se termine en Grèce, d'où Nekfeu tire ses origines. Il s'inspire alors du rebetiko, un style de musique populaire là-bas, pour écrire Ola Kala, et c'est la première fois qu'il est crédité à la composition d'un de ses sons. Ola Kala, ça veut dire tout va bien, ce son signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci, philosophie. Ola Kala. Nekfeu décide alors d'aller de l'avant et de se concentrer sur la lumière, le positif, plutôt que sur les malheurs qu'il traverse. Faut que j'arrête de me plaindre, y'a tellement pire en ce bas monde, des malheurs y'en a plein, des coups j'en ai pris mais je suis pas mort. Alors maintenant je m'accroche à la lumière quand les nuages sortent et je ne regrette même plus qu'on ait passé tant de nuits ensemble. Et en écoutant sa musique, on peut nous aussi s'évader et se chauffer pour surmonter tous les malheurs qu'on subit au quotidien. Nekfeu nous guide alors comme une étoile dans le ciel noir. Une étoile. Vagabonde.
Alors, j'attendais énormément de cet album parce que j'étais resté sur Cyborg qui m'avait vraiment renversé. Et à la première écoute, honnêtement, j'ai été assez déçu. Je l'ai trouvé un peu trop monotone et répétitif dans les flows et dans les instrus. L'ambiance est très proche de Cyborg et du coup, je trouve que l'album a du mal à se démarquer, à apporter quelque chose de nouveau. Et surtout, il y a beaucoup de chansons d'amour mélancoliques et c'est un style de son qui me parle pas du tout. Mais une fois passé ce sentiment des premières minutes, il y a de plus en plus de bails qui m'ont fait kiffer au fil de l'album. La désinvolture de Nek sur Menteur Menteur, la prod incroyable de Diaby sur Ciel Noir et les lyrics engagés sur Le Bruit qui court. Et c'est surtout le message global qui m'a fait adhérer à l'album, c'est une vraie réussite, un exemple de rap conscient à l'heure où les rappeurs connus ont totalement abandonné ce côté-là. Et puis je suis arrivé aux pistes 12, 13 et 14 et là l'album a changé de dimension. Nekfeu se met enfin à sortir les flammes avec des flows ultra puissants et efficaces et les invités sont incroyablement bien utilisés. Damso pour son flow mélodique et ses lyrics tranchants sur Tricheur, Niska pour ses adlibs sur Voyage Léger et Alpha pour un passe-passe absolument légendaire. J'ai rarement vu une telle fusion entre deux MC. On dirait que deux c'est vraiment des vrais frères. Bref, après quelques jours seulement, je peux déjà vous dire que cet album, je vais le saigner comme on dit souvent. Arigato gozaimatsu d'avoir regardé cet épisode, ça fait super plaisir. J'ai sorti l'épisode sur Cyborg il y a plus de 2 ans maintenant et c'est incroyable que vous soyez toujours là à me soutenir après 29 vidéos. Vraiment merci pour ça. Et j'ai prévu une surprise pour fêter le bail. Je sais que vous aviez bien kiffé les saps que j'avais sortis l'année dernière et du coup j'ai décidé d'ouvrir une boutique officielle et de produire une toute nouvelle ligne de vêtements. Et le premier drop, c'est maintenant. Le drop est disponible sur le nouveau site shop.lereglement.sal. J'ai essayé de prévoir un peu plus de stock que la dernière fois vu que tout était parti en 20 minutes, mais je vous préviens, ça reste quand même des quantités très limitées, donc traînez pas trop s'il y a un modèle qui vous intéresse en particulier. Voilà, je sais que vous êtes beaucoup à kiffer le merch, et moi ça me fait délirer de pouvoir repérer les membres de la MIF dans les concerts, et bien sûr ça me permet de récupérer un peu de thunes, vu qu'on va pas se le cacher, cette vidéo sera démonétisée à 100% par UMG. Bref, passez une bonne soirée, bon courage pour les révisions pour ceux qui passent le bac, niquez tout en philo lundi, et nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, je vous dis bye.